Donc, rebonjour. Alors, c'est la suite de la même vidéo, c'est juste que j'ai oublié de parler de comment calculer son rapport volumétrique. Donc, avant de commencer là-dessus, j'ai fait le calcul. Donc, je suis moins comprimé que l'autre fois, malgré que je sois remonté pareil. Le squish est pareil, il est un peu plus haut, donc je pense que la version 2024 du cylindre a dû être corrigée. Il devait y avoir des problèmes avant qui ont été corrigés maintenant. Parce que j'ai pris le squish, j'ai 2,40 de squish, et avant j'étais à 2,33 de squish. Donc ça c'est sûr, ça a été corrigé, parce que je suis sur le même joint de culasse que l'autre fois, c'est la même culasse, hein. C'est un joint de culasse d'ailleurs que j'avais déjà monté. Donc voilà. Par contre, je pense que j'ai dû merder quand j'ai pris le rapport volumétrique l'autre fois, parce que là c'est sûr de ce que j'ai mis. L'autre fois, je ne suis pas tout à fait sûr. Donc, à savoir que là, j'ai trouvé un rapport volumétrique de 10,15 pour 1. J'ai un squish de 2,40. Donc là, on est dans les clous. Il n'y a pas de problème là-dessus. Je vais vous montrer comment faire pour calculer les deux méthodes. Je vais déjà vous montrer la plus simple qui se passe sur le site de chez RRD Préparation. Ça va être un petit peu pénible là, pour vous montrer. En fait, vous regardez. On a chopé tout à l'heure 8,76 de rapport de volume de chambre. C'est pas compliqué. Quand vous allez sur le site de RRD Préparation, lien que je vous mettrai en description, vous allez en bas. J'essaie de vous zoomer un peu. Vous allez en bas, vous allez dans. Je ne sais pas si vous allez arriver à bien voir. Peut-être que je dézoome pour que le focus se fasse. Nos aides mécaniques. Donc c'est là, au milieu. Vous allez dans calculette. Calculette de taux de compression. C'est le dernier du bas. Voilà. Ça va vous mettre ça. Ensuite, bah, vous rentrez 8,76. C'est une calculatrice. Voilà. Ensuite, vous allez enlever à ça le filetage de la bougie. Donc, sur les moteurs à air, c'est 1,5, donc 1,50. Les moteurs liquides, c'est 2,50. Donc, on fait moins 1,50. Faites égal 7,26. Vous faites sélectionner tout. Donc, vous le sélectionnez en bleu. Vous allez sur la dernière icône du bas, ici, vous cliquez dessus, ça va se mettre automatiquement. Le premier du haut, c'est le diamètre de votre piston. Donc, à savoir que les kits 65-67 Hersal, c'est un piston de 45 mm. Vous mettez 45. La course de votre vilebrequin. Donc, moto bécane 51 et enfin tout ce qui est moteur. AV10, AV7 d'origine, c'est une course de 41,80. Et ensuite, vous faites calculatrice. Alors, ça va vous mettre tous ces chiffres-là, mais les seuls qui comptent, c'est les quatre premiers. Donc là, j'ai un rapport volumétrique de 10,15 pour 1. Donc pour la deuxième méthode, ça ne va pas vraiment se passer. Comme là, comme la calculette. Donc, je vous montre un truc avant parce que ça, c'est un truc qu'il faut savoir. Alors, à savoir que le cylindre en 45 mm, selon les sites internet, il peut être considéré comme un 65 cm3, un 70 cm3. Là, vous pouvez voir, je suis sur RRD Préparation, 45 mm, kit 70 cc. Si je vais chez Bixès, 67 cc, 45 mm. Alors, à savoir que ça ne peut pas être un 70. Surtout qu'un piston de 45, en sachant que le 70, il est que en carré. Il existe, mais que en carré, avec piston de 47 mm. Je me rappelle que le premier que j'avais acheté sur la boîte, c'était marqué 65 cc. Le nouveau, j'ai pas regardé sur la boîte, j'ai pas pensé à regarder. Et la boîte, je ne l'ai pas là, elle est en bas.
Donc, on va faire l'opération pour un 65 et un 67 cc. Donc, l'opération, elle n'est pas compliquée. Une calculatrice. Moi, je le fais sur... Attendez, je vais faire mieux, je vais vous le faire directement avec une vraie calculette. Ça sera plus simple pour vous. On verra mieux. Alors, là, il faut, en fait, moi, j'avais trouvé 8,76, donc on fait 8,76 il m'a mis 9 8,76 c'est un peu compliqué pour moi parce que je vous filme en même temps et on fait moins 1,50 le filetage de bougie moins 1,50 égale 7,26. Là, jusque-là, on est d'accord. Ensuite, vous allez faire 7,26 plus la cylindrée du moteur. Je ferai une autre opération avec les 67 après. Donc, 7,26 plus 65. On fait égal. On trouve 72,26. Ensuite, 72,26, vous le divisez par 7,26, donc le rapport de volume que vous avez trouvé. Donc 7,72 divisé par 7,26 fait égal. Là, on trouve 9,95. Pour ça, 9,95 pour 1. Donc maintenant, on va faire avec la 67 cc et après je vous montrerai la différence entre ce que j'ai trouvé sur la calculette de RRD pour les deux. D'accord? Donc là, on se la refait. Donc 8,76 76 moins 1,50 égale 7,26. 7,26 plus 67. Égale 74,26 divisé par 7,26. Et là, on trouve 10,22. Pour 1. Donc maintenant, si je vous prends sur la calculette de chez RRD, donc je vais taper directement les 7,26, hein, je ne vais pas faire l'opération totale à chaque fois. Donc 7,26 collé là. Ensuite, ah oui, là ça marche que avec le piston, je pense, c'est plus fiable sur la calculette. Ça marche avec le piston, ça marche pas avec la cylindrée moteur. Regarde, là je peux pas vous le mettre. Enfin, vous vous rappelez de tout ce que j'avais trouvé tout à l'heure avec le diamètre piston, d'accord? Maintenant, regardez, à savoir que j'avais trouvé tout à l'heure, j'avais trouvé un rapport de 10,15 pour 1. Alors là, c'est pas compliqué pour savoir qui est à tort et qui a raison entre 65 et 67. À savoir que cette méthode-là, c'est Tournoi Racing qui l'a fait sur sa chaîne. Hein, c'est grâce à ça que j'ai pu le faire la première fois. Donc là, avec si c'était un 65 cm3, on avait un taux de 9,95 pour 1. C'est pas compliqué. Vous prenez le premier taux que vous avez trouvé sur RRD préparation pour savoir, là c'est juste pour savoir vraiment la cylindrée du moteur. Donc là, 10, je vais zoomer sinon vous n'allez rien voir. Hop, je dézoome mon portable. Voilà, donc 10,15, pas compliqué, vous faites moins
Donc on va commencer par le 65 cm3, on avait trouvé 9,95 pour 1, donc on fait moins 9,95 égale. On a 0,2 de différence. Maintenant, si je remets les 10,15, je refais moins. Cette fois, je prends ce que j'ai trouvé avec le 67cc, 10,22. Si je fais 10,22, là, on a 0,07. On a même moins 0,07. Je n'avais pas fait gaffe tout à l'heure s'il y avait ça. Donc vous voyez que ça ne peut pas du tout être possible. Ah oui, c'est parce que là, j'ai fait une connerie. Forcément. Celle-là, on va se la refaire. J'ai fait une boulette. Donc là, c'est parce que ouais, j'ai montré, j'ai mis là à l'envers. Donc 10,22 moins 10,15. Et là, on fait égal, et normalement, on devrait choper 0,07. Voilà. Ça, c'est avec un, si c'était un 67cc. Si ça aurait été un 65, c'est 0,02. À savoir que moi, avec la calculette de chez RRD Préparation, d'ailleurs, c'est pour ça que je vous conseille de prendre la calculatrice de chez RRD Préparation, parce que eux, c'est pas avec la cylindrée moteur. C'est avec le diamètre piston, et c'est donc d'autant plus fiable. Parce que le problème, c'est qu'il y a eu des sites, je vous parle là juste pour le RSAL que j'ai sur ma mob, il y a des sites qui le vendaient pour un 65, il y en a qui le vendaient pour un 67, et là je viens de m'apercevoir en fait, en faisant la vidéo, qu'il y en a qui le vendent pour un 70. Donc faites-le avec la calculette de chez RRD Préparation. La méthode de tournoi elle fonctionne, hein. Mais il faut être sûr de la cylindrée moteur. Le problème, c'est que les sites, on ne peut pas vraiment être sûr de ce qu'ils nous disent. Comme je vous disais, les sites internet, on ne peut pas vraiment être sûr à 100% de ce qu'ils disent. Donc, vaut mieux passer directement par la calculette. C'est le plus fiable. Au moins, vous êtes sûr vous êtes sûr qu'au moins, ça soit vraiment le bon truc. La calculette, je vais essayer de penser à vous la mettre en description, enfin le lien. C'est pas compliqué en fait. Vous avez la calculatrice de base, vous prenez votre rapport volumétrique et vous faites l'opération sur la calculette. Par exemple, moi j'avais trouvé 8,76, vous faites 8,76 moins 1,5, moins 1,50 si vous êtes en moteur air. Si vous êtes en moteur liquide, vous faites moins 2,50. Pas compliqué. Et ensuite, vous mettez en haut, vous mettez le diamètre de votre piston et en bas la course de votre vilebrequin. Et puis voilà. Un exemple, si vous voulez le faire sur un M6, les vilebrequins d'origine, c'est course 39. Les pistons d'origine, c'est du 40,3. Voilà. Vous pouvez faire directement avec la calculette. C'est bien mieux d'ailleurs, c'est plus simple. C'est vachement intuitif et tout. Donc voilà, j'ai fait une capture d'écran parce que RRD Préparation ont une chaîne YouTube. J'ai fait une capture d'écran de leur truc. J'essaierai aussi de mettre en image ou un truc comme ça. Et puis voilà. Donc écoutez, là c'est vraiment tout pour cette vidéo. Je vous dis à une prochaine.